Usage. Ce qui assure le souffle nécessaire à une légende pour se propager, c'est l'effet qu'elle produit sur ceux qui l'entendent. N'ayez crainte, toutes les légendes que nous allons vous présenter vont faire leur effet. Bienvenue dans le monde de l'horreur. L'horreur, c'est parfois plus qu'une légende. C'est souvent la réalité. Comme pour Graham Harrison, ce Britannique de 57 ans, qui était convaincu qu'il était mort et qui passait son temps à errer dans les cimetières. Les médecins lui ont diagnostiqué une maladie très rare qu'ils ont surnommée le syndrome du mort-vivant. Les gens qui en sont atteints s'imaginent qu'ils n'ont plus d'organes actifs. C'est cette maladie qui aurait, entre autres, inspiré la création d'un des personnages les plus effrayants de la culture populaire, le zombie. Mais la mutation humaine serait de moins en moins fictive. Et si on se fie à notre première légende, elle aurait peut-être déjà affecté quelqu'un dans un quartier près de chez vous. Un drame terrible s'est produit près de Montréal, dans une banlieue où il ne se passait jamais rien. Un homme d'affaires revenait d'un voyage à Miami, pas trop fâché de retrouver sa petite vie tranquille. Son voisin a profité de son retour pour lui piquer un brin de jasette. Le voyage d'affaires l'impressionnait beaucoup. Et il posait toujours trop de questions. Comment c'était, Miami? Bof, assez humide et bourré de moustiques à ce temps-ci de l'année, a répondu l'homme d'affaires en essayant de pas trop s'attarder. Mais le voisin l'a retenu. Il voulait lui emprunter un sécateur pour tailler sa haie. Pas de problème, lui a répondu l'homme d'affaires en pointant le cabanon pour qu'il aille se servir. C'est là que le voisin a remarqué le pansement sur sa main. Évidemment, il ne pouvait pas se retenir de poser d'autres questions. Ce qui lui était arrivé? Ah, un petit accident en traversant une ruelle à Miami. Rien de grave. Mais dans les faits, ça n'allait pas si bien que ça. Sa main lui faisait affreusement mal. Il avait des démangeaisons intolérables et il faisait de la fièvre. Son médecin affirmait que c'était seulement du surmenage, mais lui, il se doutait bien que ça avait un lien avec ce qui s'était passé à Miami. Il essayait d'oublier ce moment désagréable et humiliant. Mais tous ces symptômes lui rappelaient cet événement étrange. Le lendemain, contre toute attente, il s'est mis à reprendre du mieux. Il avait maintenant un appétit de loup. Il ne mangeait plus que jamais. Surtout de la viande rouge, à laquelle il ne pouvait pas résister. Il pouvait en manger 4 fois par jour. Et il choisissait des morceaux particulièrement saignants. Son appétit était revenu, oui, mais le reste de sa vie avait basculé. Il souffrait maintenant d'insomnie. Il était devenu très impatient et il entrait dans des colères incontrôlables. Comme la dernière, quand il s'est aperçu que son voisin ne lui avait pas encore remis son sécateur et qu'il le laissait même traîner sur son terrain. Comme un animal enragé, il s'est précipité chez le voisin, a ramassé le sécateur et s'est mis à l'engueuler en pointant les lames dans sa direction. Le pauvre homme n'a pas eu le temps de poser de questions. L'enragé lui a planté le sécateur dans le dos. Le voisin n'a pas survécu à cette agression sauvage. L'homme d'affaires ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il s'est relevé pour retourner chez lui, mais il s'est effondré subitement. Il est mort quelques minutes plus tard. L'autopsie a prouvé que l'homme d'affaires était atteint d'un virus très virulent qui détruisait peu à peu une partie de son cerveau. Un virus que lui avait transmis un mendiant à Miami. Le pauvre homme l'avait violemment mordu à la main quand il s'est approché pour lui donner un peu d'argent. Le virus en question, appelé LQP-79, serait très contagieux. Il se propagerait par les piqûres d'insectes vivant dans des milieux humides, comme le sud des États-Unis. Plusieurs personnes auraient été piquées et elles auraient développé des symptômes particuliers, comme le besoin incontrôlable de consommer de la chair fraîche. C'est ce qui expliquerait la présence de cannibales dans certaines banlieues d'Amérique du Nord,
là où il ne se passe habituellement jamais rien. Le sac cannibale, ça fait peur. Je peux me faire piquer là, d'un moment à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'insecte devient l'origine des origines. Parce que le mendiant, comment est-il devenu lui-même zombie? Il s'est fait piquer par un insecte. C'est à Miami. On parle de Miami, on parle pas d'une jungle exotique à l'autre bout du monde. Puis tu sais, pour les gens, un peu réchauffement de la planète, de plus en plus, il y a des types d'insectes qui amènent le virus du Nil. Donc ça, je trouve ça très efficace à ce niveau-là. Comme dans la légende qui nous est racontée, les virus sont souvent transmis par les insectes. Qu'on pense à la maladie de Lyme, qu'on pense au virus du Nil occidental, qu'on pense même à des virus comme l'Ebola. Il y a souvent des insectes qui sont porteurs, qui ne sont pas malades et qui piquent l'humain et transmettent le virus à l'humain. Et c'est nous, comme humains, qui subissons les méfaits de ces virus. Il y a des virus, effectivement, qui peuvent s'attaquer au cerveau, causer ce qu'on appelle des encéphalopathies, donc des maladies du cerveau qui créent, encore une fois, des comportements tout à fait inappropriés. Ce ne sont pas des virus communs, comme les virus de la grippe ou du rhume, qui peuvent causer des attaques comme ça au cerveau. C'est des virus beaucoup plus rares, comme des virus dont on a parlé de la vache folle il y a plusieurs années, de la rage dans certaines conditions particulières. Possible, mais c'est une grande rareté. C'est vraiment rare. Les drogues sont le plus souvent responsables de comportements anarchiques ou la maladie mentale. La légende actuelle est basée sur un fait divers qui va passer en 2012, qui va vraiment choquer les gens. C'est celle de Rudy Eugène, qu'on va baptiser le Miami Zombie. Le gars en question va entrer dans un autobus pour s'en prendre un sans-abri sexagénaire pour lui manger 75 % du visage. Le lendemain, les gens se demandent pourquoi on y a mangé le visage. On va profiter de la question, justement, pour lancer deux légendes, dont celle des virus qui transforment en zombies, qui est le LPQ-79, puis celle des sels de bain, donc une drogue qui l'aurait transformé en cannibale. LPQ-79, d'abord, c'est une légende qui est inventée toute pièce par un webmestre en Floride qui s'appelle Alfred Moya. Lui, il va créer un site dans le but, justement, de vérifier si les informations fausses qu'il peut mettre sur Internet, combien ça peut prendre de temps avant qu'il se retrouve dans les médias traditionnels. Il a l'intention, d'ailleurs, d'écrire un livre sur le sujet. Mais la réponse est simple, c'est 2 jours. Ce qu'il fait, c'est qu'il crée un faux tweet de nouvelles du Huffington Post, dans lequel il décrit que le tueur en question a eu une autopsie, puis on a retrouvé dans son cerveau beaucoup de bactéries qui l'auraient progressivement transformé en zombie. Puis comme de fait, la légende va vraiment trouver son public dans le sud des États-Unis, où tu as des villes où on croit à la Bible, mot à mot. On est persuadé qu'on est sur le point de vivre l'apocalypse, puis que les morts vont sortir de terre. Donc, le LPQ-79, ça lui parle. Une autre explication du meurtre de Miami Zombie, c'est les sels de bain. Celles de bain, en fait, c'est des nouveaux produits de synthèse qui sont encore vendus légalement en raison d'un vide juridique. Donc, c'est des produits comme le MDPV, qui est 50 fois plus puissant que la cocaïne. Puis, si on se trompe dans le dosage, on peut tuer la personne. Les nouveaux produits de synthèse vont se vendre sous forme différente, pas seulement des sels de bain. On va retrouver aussi des fertilisants, de la nourriture à poissons, des insecticides qui vont être achetés sur Internet puis par la suite consommés. Donc, les policiers ont raconté que Rudy Eugène, le Miami Zombie, a consommé des sels de bain, ça l'a transformé en cannibale, ce qui est totalement faux. Mais pourquoi les policiers racontent ça? Mais la raison, c'est pour faire mauvaise presse aux produits dans le but d'en... au bout du compte, faire en sorte qu'il soit interdit. On a fait la même chose avec le LSD dans les années 60. La plupart des légendes urbaines qui parlent d'LSD, comme la gardienne qui se trompe entre un bébé puis une dinde, puis qui met le bébé au four, c'était des exagérations, justement, à l'époque, pour rendre illégal le LSD, qui est encore légal. Le cas de rage meurtrière qui conduit au cannibalisme rappelle étrangement la légende du Wendigo amérindien, qui était répandu chez les Algonquins plutôt, qui étaient eux nomades pendant l'hiver, alors que les Iroquois qui étaient sédentaires n'avaient pas vraiment cette légende-là. Ce qui se passait, c'est surtout, c'était l'hiver, pendant les camps de chasse, quand les gens étaient isolés les uns des autres, habituellement regroupés en petites familles et tout ça, où parfois il y avait quelqu'un qui commençait à délirer et on le disait possédé par le Wendigo, qui était un démon. Et à ce moment-là, il devenait, qu'il y avait de la nourriture disponible ou pas, il devenait cannibale et s'attaquait à sa famille et les mangeait. Le lien qui peut être intéressant,
c'est que j'ai fait une recherche là-dessus dans le cadre de ma maîtrise en ethnologie sur le Wendigo, et j'avais pensé à une intoxication, entre autres, parce que c'est comme une rage qui se déclenche comme ça, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de contamination. J'ai suspecté peut-être le tabac que fumaient les hommes à l'époque des Amérindiens. C'est une plante de la nature. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la nature qui contaminerait soit du tabac, soit de la marijuana, quelque chose comme ça, et qui pourrait provoquer des dommages au cerveau et mener à une telle réaction? C'est une piste que je trouve intéressante. On a des maladies physiques réelles en médecine qui sont heureusement très rares et qui peuvent donner des allures particulières. Il y a une maladie mentale qui s'appelle le syndrome de Cotard où l'individu perçoit comme une putréfaction, une mort de certains de ses organes qui le pousse à des comportements des fois qui sont très surprenants. C'est surtout des comportements de dépression, de grande, grande détresse qui peuvent mener même vers le suicide. Imaginez, on a l'impression que notre corps est en train de nous abandonner. Et d'autres maladies physiques, où là, le cerveau n'est pas tant atteint, mais physiquement, il y a des maladies comme la porphyrie, qui est un problème avec l'hémoglobine, qui est le constituant principal de notre sang, où là, on devient très, très pâle. On a les gencives rouges, les yeux injectés de sang, et ça fait des bulles, cette maladie-là, lorsqu'on est exposé au soleil. Donc, imaginez le portrait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a comme impression des zombies. Une histoire très récente qui peut ressembler un petit peu à cette légende-là, entre autres, c'est le cas de Vince Lee, qui, dans un autobus Greyhound, en 2009, a attaqué son voisin de chaise, de fauteuil, d'autobus, si on veut. Il lui a d'abord tranché la tête. Ensuite, le chauffeur a réussi à faire sortir tous les passagers et a enfermé l'Asiatique qui s'appelle Vince Lee, donc, dans son autobus. Il y avait donc la tête du jeune homme, il se promenait dans l'autobus et on sait qu'il a mangé des morceaux, entre autres, de la personne. Et la première chose qu'il a dit en sortant de l'autobus au policier, c'est « Tuez-moi ». Et ça, curieusement, dans le cas des Wendigo amérindiens, quand ils se sentaient contaminés, qu'ils sentaient la pulsion cannibale arriver, plusieurs ont dit à leur communauté, tuez-moi, je vais manger quelqu'un et je vais tuer quelqu'un. Alors ça, c'est drôle, le parallèle qui peut se produire. J'habite pas loin, puis je mets souvent faire des rondes dans le coin. Surtout depuis qu'elle s'était abandonnée. Il y a bien des jeunes qui viennent squatter. Ils se mettent sur le party, puis ils dérapent complètement. Il y a même mis faire à grange la semaine passée. C'est comme s'il y avait rien pour les arrêter. Même pas la nouvelle drogue, là, qui est super populaire en ce moment. Ça a vu le jour en Russie, ça, en 2011. C'est une drogue injectable appelée crocodile. Comme l'animal, sauf que ça s'écrit avec des K. C'est comme l'héroïne, ça a les mêmes effets. Mais c'est beaucoup moins cher. Il y a de la codéine là-dedans, puis plein d'autres produits super dangereux comme de la térébenthine. En fait, la crocodile porte bien son nom parce que la peau de ceux qui en prennent devient verdâtre, puis elle craque, puis elle se désagrège assez rapidement. La mort suit habituellement une couple de semaines plus tard. Après la pause, une contamination fatale causée par un élément des plus banals. L'horreur est souvent invisible. Elle se cache dans ce qu'on respire, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange. Plusieurs cas de contamination alimentaire ont fait les manchettes au fil des ans. En 2011, une chaîne de messages circulait sur le net comme quoi une boisson gazeuse très connue aurait été contaminée par le VIH. Même chose en 2004 avec les petits sachets de ketchup dans les restos rapides. Tout ça était faux et impossible, évidemment. Le VIH ne se transmet pas dans la nourriture. Le VIH, peut-être pas. Mais ce qui est arrivé à un musicien à Vancouver est tout aussi horrifiant et assez plausible. Les événements se seraient produits durant l'automne 2011. Un groupe de musique de Québec traversait le Canada pour donner des spectacles dans des bars. Ils n'étaient pas connus, mais ils se débrouillaient assez bien. Et ils arrivaient même à en vivre. Surtout qu'ils logeaient dans des petits motels en bordure des autoroutes. Alors la vie ne leur coûtait pas trop cher. Leur dernier arrêt se fera à Vancouver. Le band se produisait presque tous les soirs dans un bar près de leur motel. Ils y passaient de longues heures à pratiquer leurs compositions et à ajuster leurs instruments.
C'était très important, surtout pour le chanteur, qui prenait sa carrière très au sérieux. Il trouvait que les deux autres se la coulaient pas mal douce. Ils étaient toujours en train de boire de l'alcool, peu importe l'heure du jour. Le leader du groupe, lui, préférait carburer au café. Ça l'aidait à performer, à rester alerte. S'il avait été saoul comme les deux autres, il n'aurait pas remarqué l'agent musical venu les observer à quelques reprises. Il était à la recherche de nouveaux talents et cette fois-ci était la bonne. Il était impressionné. Le public, surtout féminin, était au rendez-vous. Les femmes de la région s'étaient passé le mot pour venir écouter le band. Mais elles venaient surtout pour voir le beau chanteur. Ce soir-là, les gars ont signé une entente avec l'agent. Ils devaient lui prouver qu'ils avaient du cœur au ventre en écrivant d'autres chansons pour remplir un album. Ils se sont mis au travail sans attendre. Ils ne dormaient presque plus. Ils composaient et pratiquaient jour et nuit au motel. Ce régime de vie commençait à affecter le beau chanteur. Il était très fatigué et toussait énormément. Il devait faire attention à sa santé. Il a donc laissé tomber la pizza et a commencé à manger des céréales. Ça coûtait encore moins cher que le junk food. Il refusait toujours de boire de l'alcool et il avait même coupé le café. Il se calait plutôt un grand verre de lait plusieurs fois par jour. Ça calmait ses récents maux d'estomac dus au stress probablement. Mais après quelques mois à rouler à ce rythme-là, ça n'allait plus du tout. Le public pourtant fidèle désertait le bar. Faut dire que le physique avantageux du chanteur avait commencé à se dégrader sérieusement. Il avait le teint gris. Ses belles dents blanches avaient jauni et il avait terriblement maigri. Comme la carrière naissante du groupe reposait surtout sur le look du chanteur, le contrat qu'ils avaient signé a été annulé. Et le jeune musicien a continué à dépérir comme ça jusqu'à sa mort. L'autopsie a confirmé qu'il ne souffrait pas de stress ni de malnutrition. Il avait plutôt été contaminé à la radioactivité. Comme ça peut arriver aux travailleurs d'une centrale nucléaire. Pourtant, il n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. Non, toute cette radioactivité, il l'avait accumulée ici même, à Vancouver. Cette contamination nucléaire lui avait été transmise par une substance pourtant anodine qu'il consommait quotidiennement. Le lait. Il en mettait dans le café qu'il buvait plusieurs fois par jour. Il y en avait aussi dans ses céréales, qu'il croyait meilleur pour la santé que la pizza. Oui, ce lait qu'il avalait chaque soir pour soulager ses maux d'estomac était précisément ce qui le faisait souffrir. Le fameux liquide blanc provenait des vaches qui broutaient paisiblement dans des champs de l'Ouest canadien. Des champs dont l'herbe était arrosée par une fine pluie. Une pluie produite par des nuages qui venaient de très loin à l'ouest de Vancouver. Des nuages qui provenaient en fait du Japon, où un tsunami avait fait rage plusieurs mois auparavant, détruisant une station nucléaire et contaminant le sol, la mer et l'air. Les légendes alimentaires sont des légendes qui sont efficaces pour une raison très particulière. Qui ne mange pas au moins une fois par jour? Ouais. Avec ce type de légende-là, ça crée une paranoïa. C'est que peu importe l'aliment que tu vas ingérer, il y a toujours le danger de la contamination. Et souvent, l'aliment est contaminé, mais par une source extérieure au lieu où tu vis. Ils sont en tournée. Ils arrivent à Vancouver. Et là, Vancouver, t'es pas loin du Japon, des îles japonaises. On parle là d'un endroit insulaire. Là, tu vois, il y a toute l'idée de ça vient d'ailleurs. Suite à la catastrophe qui s'est produite au Japon en 2011, on sait qu'il y a eu beaucoup de radioactivité qui a été émise dans l'environnement et on a même retrouvé dans le lait maternel, dans la poudre de lait maternel, retrouvé des traces de radioactivité. Ces découvertes-là ont mené à des rappels importants pour pas que la population soit exposée à ces produits-là contaminés. Mais sachez que les quantités mesurées étaient des quantités qui étaient très faibles, qui n'étaient probablement pas dangereuses pour la santé, mais avec la radioactivité, on prend pas de chance. Le lait est un aliment sain, est une boisson saine, et tout à coup, ça devient un vecteur de mort, un vecteur de décomposition du corps. Et ça te donne presque envie de te mettre à boire de la bière, cette légende-là. La légende traite ici de tout ce qui est lié au nucléaire. Je suis pas un spécialiste, j'ai fait des recherches, mais c'est vraiment difficile de faire le tri entre ce qui est vrai puis ce qui est faux, parce qu'on nage en pleine désinformation.
D'une part, par exemple, pour Fukushima, le Japon va carrément minimiser ce qui est arrivé. Même chose en Russie avec Tchernobyl. On va trouver aussi des rapports sur Internet 2 jours après l'incident de Fukushima, ce qui est impossible scientifiquement. On ne peut pas avoir des données aussi rapidement. En fait, on a le lobby environnemental et le lobby grandes industries énergétiques qui vont mettre un tas d'informations fausses dans le but de noyer le poisson. Donc, vous commencez à chercher des informations, vous commencez à réaliser que la plupart sont fausses, vous allez finir par douter tout ce qu'on va vous présenter. C'est ça de la désinformation. Un autre élément que j'ai trouvé dans les médias américains, c'est une manchette qui disait 2-3 jours après l'incident de Fukushima que 14 000 Américains étaient déjà morts en raison des pluies nucléaires. Ce qui est totalement faux. Parce que pour mourir en 3 jours, il faudrait vraiment être sur place. Si on a affaire à des pluies nucléaires, ce qui n'était pas vraiment le cas, ben on mourrait après plusieurs années. En fait, ça crée des maladies dégénératives. Donc, on meurt pas en 3 jours. Il y a quelque chose d'un peu absurde dans cette légende-là, qui est le fait que le lait ne pourrait pas être seul contaminé. Si on parle de pluie, qui est contaminée, c'est entendu que la végétation, donc tous les légumes consommés par l'être humain sont contaminés. La viande de bovin est contaminée, il n'y a pas juste le lait. Donc, il n'y aurait pas juste ce jeune homme-là qui serait contaminé non plus. On aurait une épidémie, là, quelque chose d'assez important. Par contre, on peut relier ça, par exemple, aux peurs des pluies acides qu'il y a eu à un moment donné, dont on parle moins, mais qui sont encore questionnables au niveau écologique, dans le milieu écologique, là, qui pourraient effectivement contaminer les plantes et tout le reste. Dans les légendes alimentaires, il n'y a pas que la légende autour du lait contaminé. Je pense à la légende de la saucisse avec l'agent de conservation. On aurait retrouvé le cadavre d'un homme qui se serait très bien conservé, limite momifié, parce que ce fameux cadavre-là aurait été, de son vivant, un consommateur de saucisses, mais qui mangeait que ça, des hot-dogs, tu sais. Et là, on fait le lien, c'est que l'agent conservateur aurait servi non seulement à préserver la saucisse qu'il mange, mais lui-même aurait été contaminé par cet agent-là. Et c'est ce qui fait qu'on peut, ce cadavre-là, on le retrouve pratiquement momifié, parce qu'il se serait décomposé de manière très, très lente. Donc, c'est puissant. La légende alimentaire, elle est forte. Cette légende-là de lait contaminé peut rappeler d'autres cas réels où il y a eu des contaminations volontaires par la radioactivité et qui a mené finalement à des meurtres. Je me rappelle entre autres qu'il y avait un homme qui travaillait dans une usine de déchets radioactifs. Évidemment, il y a tout un protocole, eux autres et tout ça, il faut faire attention pour pas être contaminé et tout. Par contre, à un moment donné, il s'est mis à développer des symptômes reliés à la radioactivité. Il s'est dit, voyons donc, je respecte tous les protocoles, tout est beau. Et l'enquête policière a démontré que c'est un collègue ennemi du monsieur, disons qu'il l'aimait pas tellement, qui avait caché dans sa voiture des éléments radioactifs, des petits déchets radioactifs qui le contaminait et le tuait à petit feu. Là. L'autopsie de Yasser Arafat, l'ancien président de l'autorité palestinienne, a prouvé qu'il avait dans son système un taux anormal de polonium, une substance radioactive. Même si on ne peut pas affirmer à 100% qu'il soit décédé spécifiquement à cause du polonium, certains experts n'écartent pas cette piste et prétendent qu'une tierce personne a dû faire en sorte qu'il soit exposé à ces matières radioactives. Cet empoisonnement demeure un mystère. Au retour, les décorations d'Halloween les plus épeurantes en ville. Le comble de l'horreur, dans les légendes comme dans la vie, c'est bien sûr la mort sous toutes ses formes. Et aucun événement ne rend un hommage mieux senti à la mort que l'Halloween. Bien sûr, on trouve des costumes gentils de chats et de dragons, mais ceux qui incarnent le mieux la fête du 31 octobre, ce sont les vampires, les zombies et autres maniaques. Et on ne fait pas toujours la différence entre ceux qui sont déguisés et ceux qui ne le sont pas. C'était un soir d'Halloween comme les autres dans une petite ville de banlieue. Les affaires étaient passées en grand nombre et quelques heures plus tard, la nuit était redevenue calme. Trop calme. Mais ça n'allait pas durer. Deux ados en manque d'attention avaient décidé de s'amuser un peu. Ils avaient réussi à ramasser pas mal de bonbons, même sans se forcer côté costume. Après avoir mangé leur préféré, ils ont décidé de lancer les autres sur les terrains ou dans la rue. Disons qu'ils n'avaient pas trop de respect pour la tradition du 31 octobre. Surtout pas pour les citrouilles. Ils ont complètement détruit celle qui illuminait la façade d'un de leurs voisins. Ils la lançaient dans tous les sens et la frappaient de toute leur force. Ils n'allaient pas s'arrêter là. Les deux ados trouvaient bien ridicule toutes ces décorations suspendues.
Et ça avait l'air d'être la nouvelle mode. Il y en avait partout. Comme cette sorcière attachée à un poteau pour donner l'impression qu'elle volait vraiment. Les deux gars ne pouvaient pas croire que les enfants avaient réellement peur de ça. Alors en moins de deux, la sorcière a été détruite à coups de bâton. Mais les jeunes ont eu peur de se faire prendre. Quelqu'un venait d'allumer une lumière tout près. Ils se sont sauvés juste à temps. Ils ont couru jusqu'au fond de la rue. Ils étaient fiers, personne ne les avait vus. Ils allaient même pouvoir continuer leur petit jeu de destruction. Car juste là, devant eux, se balançait un autre personnage. Le détruire serait sans risque parce que la maison semblait abandonnée. Elle n'était presque pas éclairée. Les gars se sont avancés vers le balcon et se sont mis à frapper le bonhomme pendu de toute leur force. Ils riaient et se motivaient à le frapper de plus en plus fort. Un des gars a même réussi à couper la corde qui retenait le fameux personnage. C'est à ce moment-là, quand le pendu s'est retrouvé au sol, que les ados ont remarqué un étrange liquide qui coulait sur son corps. Ils ont vite réalisé que le pendu... Eh bien, c'était un vrai pendu, justement. Un pauvre homme qui était là depuis quelques jours, mais que tous les passants avaient pris pour une décoration d'Halloween très convaincante. Cette légende-là est inspirée de cas réels. En 2009, on va avoir deux cas similaires. D'abord, une femme en Californie qui va se suicider sur son balcon. Puis, au Delaware, la même année, une autre femme qui va se pendre pas très loin de chez elle. Dans les deux cas, les gens vont passer toute la journée à côté des suicidés sans réaliser que ce sont des vraies personnes, en s'imaginant que c'est une décoration d'Halloween. Également, une autre histoire étrange, en 2012, à São Paulo, au Brésil, on sait qu'ils sont très religieux, cet endroit-là, il y avait donc une espèce de pièce de théâtre sur la mort de Jésus, c'était à l'époque de la Pâque, et celui qui jouait Judas, bien évidemment, doit se pendre, hein. Et le mécanisme qui devait le sécuriser n'a pas fonctionné. Donc, l'individu s'est carrément pendu sur scène, et ça a fallu aller jusqu'à la fin de la pièce de théâtre pour s'en rendre compte, parce que, évidemment, sur le coup, on dit, oh, mon Dieu, il joue bien aujourd'hui, c'est fantastique, mais il s'était réellement pendu. La décoration d'Halloween la plus convaincante, ça demeure le cowboy Elmer McCurdy. Donc, Elmer McCurdy, de son vivant, lui, il se vante qu'il est le meilleur cowboy puis que jamais personne ne va l'attraper. Et que la journée où on lui met une balle dans la tête, on décide de le tremper dans un bain de sel pour qu'il soit conservé, pour pouvoir ensuite l'exposer au centre du village. Donc, on va l'exposer plusieurs jours, on va payer les gens pour qu'ils puissent venir voir le cadavre d'Elmer McCurdy. Puis, à un moment donné, évidemment, les gens vont se tanner. Donc, on va décider de mettre le cadavre dans un sous-sol, s'en débarrasser. C'est là qu'il va continuer à se momifier. J'ai vu des photos du cadavre en question, puis vraiment, on a l'impression que c'est du papier mâché gris. Donc, c'est pas étonnant que plusieurs années plus tard, on va retrouver le cadavre et s'imaginer que c'est une décoration. Le pauvre, il va servir de décoration dans des parcs d'attractions, dans des maisons hantées. Il va même finir par faire du cinéma. On va le retrouver dans la planète des singes, accroché à un arbre, il fait un pendu. Puis finalement, c'est pendant un épisode de L'homme de 6 millions que le pauvre Elmer McCurdy va perdre son bras. C'est là qu'on va réaliser qu'on n'a pas affaire à une décoration, mais à un vrai cadavre. Donc, on va faire les poches du cadavre, on va trouver des billets de cinéma, on va trouver de l'argent. Donc, avec ça, on va réussir à l'identifier et savoir qui il était. Un cas qui est vraiment grave, c'est à Bentonville, en Arkansas, en 2004, où un fou va tuer 5 personnes puis utiliser les victimes dans le but de décorer une maison d'horreur dans un parc d'attractions. Ça, c'est pas une légende urbaine, c'est arrivé pour vrai. Dans cette légende-là, c'est des ados qui vont aller taper sur le pendu. Impulsion, instinctif, maturité plus que problématique. Donc, pour moi, ça se peut qu'ils se méprennent sur le pendu. Ça ne me surprend pas et je trouve que c'est vraisemblable. Une personne qui a commis un acte de pendaison va être retrouvée rigide. On sait qu'après quelques heures, la rigidité peut s'installer. C'est une personne qui va avoir un teint grisâtre, bleuté, presque noirâtre aussi pour certaines extrémités. Ça va beaucoup dépendre de l'environnement où l'individu a été retrouvé. Si c'était chaud et humide, le niveau de décomposition avec l'odeur de putréfaction va être très grand. Si c'est un environnement plutôt froid, le corps va avoir été relativement conservé, mais l'apparence bleutée va quand même primer et la rigidité. C'est même impossible d'ouvrir leur bouche, de fermer leurs yeux. Ils sont très rigides.
peut donc y arriver des situations où on pourrait se méprendre. Si on imagine en plus une distance qui fait en sorte qu'on ne ressent pas l'odeur et un environnement comme dans nos automnes québécois où il fait froid, donc un corps relativement mieux conservé, ça pourrait se produire. Mais c'est plutôt une rareté et peut-être même juste une légende imaginée toute pièce. Faites circuler ce message à tous vos contacts, surtout ceux qui aiment les chats. Les chatons noirs sont achetés en grand nombre dans les animaleries la veille de l'Halloween. Les organismes de protection des animaux craignent qu'ils soient sacrifiés lors de cultes sataniques. Alors, pour éviter des massacres, la vente de chats noirs sera interdite jusqu'au 1er novembre. Après la pause, un premier amour mortel. Une histoire épouvantable qui s'est passée en banlieue de New York en 2005. C'est l'histoire d'un psychiatre renommé qui était devenu veuf. Quelques semaines plus tard, il décide de quitter la ville, d'emménager en campagne avec sa petite fille Émilie. Parce que la petite commençait à avoir des drôles de comportements depuis le décès de sa mère. En fait, elle s'était inventé un ami imaginaire, là, qu'elle avait appelé Charlie. Au début, le père, il trouvait ça charmant, il trouvait ça cute, mais à un moment donné, le Charlie en question, elle a commencé à avoir des drôles de jeux. Il enfermait la petite Émilie dans le grenier, et pourchassait dans la maison avec un couteau. OK, c'est des beaux jeux, ça. Ouais. Même un jour, Émilie avait invité une amie à venir jouer à la maison, jouer à cache-cache. Puis le père a entendu crier. Puis il s'est précipité dans la salle de bain. Puis il a trouvé la petite amie d'Émilie ensanglantée dans le baignoire. Puis la petite lui a dit tout de suite, c'est Charlie qui a fait ça, papa. La police a découvert que l'ami imaginaire, le fameux Charlie, était assez réel, en fait. C'était le père, qui avait complètement disjoncté après le décès de sa femme. T'sais. Il avait développé une double personnalité. Puis pour fuir sa peine, ben, il devenait Charlie, un être sadique qui s'amusait à terroriser sa fille. Avec cette légende-là, en fait, on reconnaît Amityville. Au début du roman et du film, la jeune fille voit un ami imaginaire. C'est seulement progressivement, à travers du récit, qu'on réalise qu'en fait, il s'agit du démon. On retrouve cette légende-là dans plusieurs films, dans plusieurs livres. On peut venir à se demander, est-ce que c'est la légende qui inspire les livres et les films, ou c'est les films qui ont inspiré la légende? L'horreur, c'est les autres. Mais est-ce que nous devrions craindre que les inconnus? Car l'horreur se présente souvent sous des traits bien familiers. Comme le prouve ce qui est arrivé il y a quelques années dans une petite ville perdue du centre des États-Unis. Deux adolescents sont disparus de façon inexpliquée. Encore aujourd'hui, cette histoire glace le sang des jeunes de ce coin de pays. Car derrière cette disparition se cacherait un des crimes les plus horribles commis dans la région. L'une des personnes disparues est la fille du chef de la police locale. Elle avait 16 ans à l'époque. Elle était sans reproche, bien élevée, studieuse. Elle ne manquait jamais la messe du dimanche. Mais depuis quelques mois, le shérif avait remarqué que sa fille changeait. Elle fréquentait maintenant des garçons. Il l'avait mise en garde contre certains d'entre eux, des délinquants potentiels qui l'avaient souvent arrêtée. Des vrais petits voyous. Mais elle insistait pour avoir un petit ami, comme toutes les filles de son âge. Ce qui rassurait le shérif, c'est que les relations de sa fille se terminaient généralement après une seule soirée. Les garçons la laissaient toujours tomber, comme ça, sans explication, et passaient rapidement à un autre appel. Tous sauf un. Un jeune de bonne famille, à qui le policier ne pouvait rien reprocher. Il fréquentait sa fille depuis quelques jours, et il ne semblait pas vouloir la laisser tomber comme les autres. La jeune fille était prête à tout pour ne pas le perdre. Elle lui a même fait une promesse surprenante. Il ferait l'amour lors de leur prochain rendez-vous. Son père a essayé de la convaincre par tous les moyens de mettre fin à cette relation. Il croyait que le côté gentil garçon de son amoureux cachait quelque chose de louche. C'était sûrement un voyou comme les autres. Mais la jeune fille était déterminée à revoir son copain le soir même. Comment se terminera sa soirée? On le découvre après la pause.
Dans une petite ville du centre des États-Unis, une adolescente s'était mise à fréquenter des garçons au désespoir de son père, le shérif de la région. Mais les relations de sa fille ne duraient jamais plus d'une soirée. Les garçons semblaient se lasser très vite d'elle. Mais son dernier petit copain semblait tenace et ça inquiétait le shérif. Il savait que la plupart des jeunes du coin étaient des voyous. Il a bien tenté de dissuader sa fille de sortir avec ce garçon. Mais elle l'aimait réellement. Et elle avait même décidé de perdre sa virginité le soir même. La petite s'est donc enfuie, sans que son père ne puisse la retenir. Elle allait vivre la plus belle nuit de sa vie. Elle en était certaine. Son amoureux était doux et attentionné. Les choses étaient sur le point de devenir très intenses quand il a dû sortir de la voiture pour soulager sa vessie. Après plus d'une dizaine de minutes, il n'était toujours pas revenu. La fille est sortie de la voiture, inquiète. Est-ce qu'il venait lui aussi de la quitter bêtement comme les autres, en l'abandonnant comme ça sur cette route isolée? Non, il ne l'avait pas quittée, pas volontairement du moins. La jeune fille a retrouvé son copain à peine quelques mètres plus loin. Il avait la gorge tranchée. Qui avait pu faire ça? Un des délinquants dont parlait son père? Paniquée, elle a couru vers la route pour chercher de l'aide. Une voiture de police s'est pointée au même moment. Elle n'en croyait pas sa chance. C'était son père. Elle est montée à bord et il lui a raconté ce qui venait de se passer. C'est en se retournant pour lui montrer les lieux du crime qu'elle a compris ce qui était réellement arrivé. Sur la banquette arrière, il y avait une hache pleine de sang. Elle a regardé son père sous le choc. Pourquoi avait-il fait ça? Elle n'a pas attendu de le savoir. Elle s'est sauvée. On ne retrouvera jamais le corps de l'adolescent ni celui de la fille du shérif d'ailleurs. On présumera que le couple s'était enfui ensemble. Les seules personnes qui auront des doutes sur ce qui s'est réellement passé, ce sont les ex-petits amis de la fille. Ceux qui la laissaient tomber après un seul rendez-vous, juste après que le shérif les ait convaincus de ne plus jamais revoir sa fille. Ce type de mythe-là, en fait, date de 1946. Il y a une série de meurtres qui va avoir lieu au Texas, dans la ville de Texarkana. Il va y avoir un homme qui va commencer à s'en prendre au couple qui s'isole dans un coin pour se donner de l'affection. Les premières personnes qui vont être agressées, eux, vont réussir à s'en sortir. Ils vont donner le descriptif du tueur, très, très grand, avec un masque blanc au visage. Comme l'année d'avant, 1945, il y a un film qui sort, qui s'appelle « Le tueur aux fantômes » et le gars en question un masque. On a décidé d'appeler le tueur de Texarkana « Le tueur fantôme », puis sa série de meurtres, des meurtres au crépuscule, parce qu'on racontait qu'il faisait ses meurtres au crépuscule. Évidemment, ça crée de l'hystérie, ça crée des stress. Les gens à la maison, ce qu'ils font, ben, ils inventent des mythes. Ils essaient de s'imaginer à quoi ressemble le meurtrier. Donc, c'est là qu'on va commencer à inventer les fameux mythes du tueur au crochet, le tueur sur la banquette arrière. Finalement, toutes les histoires qu'on va raconter dans les années 50 aux jeunes filles pour les garder à la maison. Parce que dans les années 50, à raison du boom économique, les jeunes commencent à avoir la possibilité de s'acheter des voitures, ce qui fait vraiment capoter les parents. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de parler de sexe, de dire « ton ami t'emmène dans un coin isolé en voiture », on parle pas de sexe, on va plutôt lui dire « va pas là, il y a un maniaque au couteau qui t'attend ». Donc, les légendes vont devenir populaires parce qu'ils servent justement à contrôler la jeunesse. Il y a un cas similaire, en 1957, en Californie, Gerard Mason, qui va tuer 5 jeunes qui sont dans un lieu isolé pour se bécoter. Donc, parfois, peut-être que les parents ont raison de s'inquiéter. Il y a une variation sur cette légende-là. C'est le shérif avec son assistant. Puis, il voit à un moment donné qu'il y a une tente qui n'a pas sa place sur le bord de la route. Et l'assistant va voir qui a descendu dans cette tente-là. Et l'assistant se rend compte que c'est un jeune homme avec la fille du shérif avec qui il est là. Ça, c'est ça aussi. Puis une autre variante aussi, c'est que l'assistant découvre qu'il y a un homme avec la femme du shérif, c'est plus sa fille. Donc, il y a quand même plusieurs légendes qui tournent autour de ce thème-là. Ben, d'abord, un policier qui tue, c'est possible. Il y a eu, entre autres, Gérard Schaeffer, qui est un tueur en série qui a tué 34 femmes, à peu près.
Alors, de ce niveau-là, la légende peut être tout à fait plausible. Par contre, si on prend un petit peu de recul puis on regarde ce qui est en cause, ça fait un petit peu penser à un crime d'honneur. Donc, un père qui a des valeurs, qui veut des restrictions pour ses enfants, entre autres sa fille éventuellement, on peut penser à un père aussi qui a peut-être des tendances de psychopathe à quelque part et qui vraiment veut tout contrôler, autant sa fille que même les gens qui se greffent à sa famille, donc les amis de sa propre fille. Donc, quelqu'un qui va à l'extrême limite pour contrôler totalement ce qui l'entoure, là, au point de tuer. On pense au complexe d'Édipe, le garçon envers la mère, mais la fille, hein, c'est le complexe d'Électre envers le père. Et là, c'est comme un complexe d'Électre inversé, c'est le père qui n'arrive pas à gérer ça. Là. Imagine-toi un control freak, un père control freak, limite psychopathe, il ferait probablement, il pourrait tout à fait faire ce que notre personnage dans cette légende-là, le policier, a fait. C'est clair, pour moi, ça se peut. La légende, au départ, c'est pas un père, c'est un frère jaloux. Le père policier va apparaître en 2009 avec la version qu'on retrouve sur Internet. On va même ajouter le fait que le policier en question a une hache. Je crois que la raison pourquoi on est rendu avec un policier et une hache, c'est qu'en 2009, aux États-Unis, il y a une bande dessinée qui va apparaître sur Internet, qui est très, très populaire, qui est Axe Cop, dans laquelle on a un policier qui règle le crime à coup d'hache. Ce genre de légende nous rappelle malheureusement des nouvelles dont on entend parler trop souvent dans les médias. Il y a des gens qui ont cette impression-là de supériorité auprès de leurs proches. Il y en a d'autres pour qui c'est peut-être une anxiété, une réelle anxiété démesurée, une anxiété de séparation, ou même des psychoses, donc des regards complètement défaits de la réalité qui leur font percevoir que pour leurs proches, pour leurs enfants, c'est de les sauver que de leur enlever la vie ou d'enlever la vie de gens qui pourraient être néfastes autour d'eux. Ce sont des cas d'individus contrôlants qu'on retrouve effectivement dans la réalité. On peut penser à Dennis Rader, Mind Torture and Kill, BTK, de son surnom de tueur en série, qui s'est donné lui-même d'ailleurs, qui a été capturé il y a quelques années à peine, mais qui avait tué il y a voilà 20 ans. Ce monsieur-là a une famille, 3 enfants, et était extrêmement rigide, autant dans son travail que dans sa famille. Ce sont des gens qui sont extrêmement contrôlants pour justement que tout soit à leur mode, que tout soit selon leur propre vision, et peuvent aller jusqu'au meurtre. Dans cette légende-là, on touche à quelque chose de très sensible. C'est le père vis-à-vis la sexualité de sa fille. Et ça va parler à chaque père, là. Chaque père qui va entendre cette légende-là, c'est clair que c'est comme ouf. Ça doit être, ça frappe. Parce que chaque père va se poser la question. Chaque père qui entend cette légende urbaine-là, est-ce que j'aurais pu me rendre aussi loin? On le sait, les légendes urbaines se nourrissent de notre incompréhension et de notre volonté à donner du sens à ce qui n'en a pas. C'est aussi une bonne façon de banaliser nos petites misères, parce que ce qui arrive aux personnages dans nos histoires, on se dit que ça ne nous arrivera jamais. Pourtant, l'horreur prend souvent naissance dans le quotidien le plus banal.